McGonagall's. L'image qui vient après, elle est géniale. On aime Harry Potter. On aime les livres, on aime les films, mais on préfère surtout quand la saga est détruite, quand elle est charcutée, quand elle est anéantie par un doublage par exemple, ou bien alors par des mèmes. Aujourd'hui, je suis tombé sur un subreddit qu'avec des mèmes Harry Potter et je me suis réservé ça pour le découvrir avec vous. C'est parti, on y va. Now Neville, listen. We would... No! I won't let you! You'll get Gryffindor into trouble again. I'll fight you! Neville, I'm really, really sorry about this. Bah vous savez quoi? Eh ben c'est mérité. Oh là 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 là, attention à ce que tu dis, Sofiane. Là, je suis à me mettre toute la communauté Neville à dos. Y compris moi, parce que je l'aime, Neville. Et moi aussi, je considère que c'est le meilleur personnage de la saga. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes énervé? Vous voulez faire un tournoi? C'est impossible. Les mecs qui sont dans la voiture, qui sont en train de filmer là, mais ils doivent halluciner. Ils doivent se dire à Santa. Je sais pas quand on aille à la gare, vite fait à Londres, là, et qu'on fonce dans le mur pour voir si on peut passer, parce que là, il se passe quelque chose d'étrange, non? Ah non! Non, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, c'est mort. J'ai la phobie de cette merde. Je déteste ça. Mais vas-y, je vais faire un effort pour vous. Ok. Le Nimbus 2000 et tout, ok. Normalement, quand un animal reproduit quelque chose qu'un humain peut faire, mais en général, c'est trop mignon, tu vois. Bah là, non, 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 ça fonctionne pas. J'en ai toujours peur. On dirait qu'elle va chercher son équipe de Quidditch de Poufsouffle, là, pour venir nous percer la peau. Non, non, merci. Il m'a énervé. Une version alternative de Harry Potter, c'est parti. J.K. Rowling, voilà une meilleure histoire pour toi. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui a pour destinée de devenir le plus grand des sorciers. Harry Potter est la pierre philosophale. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. Il y a un film qui a été fait en Arménie. Good afternoon, class. Good afternoon, madame. Good afternoon, madame. Attends, 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 pause, mais elle lui ressemble de ouf. Welcome to your first flying lesson. Oh, what le doublage. Ah ouais, non, 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 attendez. Même le doublage avec Seb, c'est encore mieux, wesh. Everyone, step up to the left side of their broomstick. Come on, hurry up. Ouais. Du nerf, du nerf, du nerf, les enfants. Stick your right hand over the broom and say up. Oh, mais comme c'est mou. Ah, je suis mort. Et même mort, je suis encore plus vivant que la meuf qui double. Once you've got hold of your broom, I want you to mount it. Eh, hey, les Arméniens, ne me décevez pas. Envolez-vous, s'il vous plaît, sinon vous allez décevoir beaucoup de gens. 3... C'est pas un même Harry Potter, ça. Il a juste mis la musique, c'est nul. Fais-moi rêver un peu plus, là. Il va dire abricot à l'ananas. Ouh, mais je reconnais ça. Mais je reconnais ça! Ouh là 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 là! Pour celles et ceux qui ont la ref, on est d'accord, ce montage est une masterclass. Eh ouais, faut pas trop rigoler avec la poudre de cheminette, hein. Très vite, ça devient la poudre de... Voilà, c'est bon, j'ai fini ma vanne. J'ai toujours rêvé que dans plein de films comme ça, qui ne sont pas censés se passer chez nous, qui se passent dans un monde fictif, de voir apparaître un truc qui est dans notre monde, mais qui pop comme ça d'un coup, quoi. Genre t'es là, t'es à Poudlard, tu vois, tranquille, Harry Potter, il se balade, il va à un cours, et là, il croise Neville qui est en train de fumer. Le cauchemar de Hermione. Ah, un gif. J'ai passé un bon moment. T'as dit quoi, Harry? Non, rien. C'est quand même difficile pour votre cerveau de vous retirer Hermione de la tête. Le truc aussi, c'est que Harry Potter, ça nous a tellement marqué que ben ça lui collera toujours à la peau, quoi. Ça dit quoi dans les commentaires, là? Penisum Leviosa. Yo, so I lost my parents pretty young, and my friend's family took me in, and they were awesome. They were so nice. They made me part of the family, but they were super poor. And I actually, my parents left me a ton of money, so I was actually really rich. And I just decided to never, ever financially help them. And then when my friend's sister was old enough, I started banging her. And wait, this is Harry Potter's relationship with the Weasleys. That didn't happen to me. That's on me. My bad, you guys. I live with my parents. We're all good. Ah!
Excellent! C'est ouf ça, je m'étais jamais dit ça. Putain, mais il a raison, t'as raison mec. Eh hey, mec, t'as raison mec. Putain, mais c'est dingue ça, c'est un bâtard Harry. N'oublie pas de dire ça clairement, je sais plus comment c'est en français exactement, mais... Je préfère abricot à l'ananas. Abricot à l'ananas? Non! Putain! Je préfère abricot à l'ananas, je trouve ça plus marrant. Ça, c'est un délire de Poufsouffle, ça. Non, mais faut les laisser faire, tranquille. Dans les commentaires, là. Mais t'as quoi avec Poufsouffle, Sofiane? Mais au moins, ça, c'est plus mignon qu'une vieille guêpe. I demand that you leave at once. You are breaking and entering. Dry up, Dursley, you... Mais attendez. Cette fin, elle est mille fois plus logique. Non, mais je suis sérieux, là. Vous voyez entrer un homme de cette taille, de cette envergure, c'est un ours. Il entre chez vous, il vous dit, ils sont où les gosses, là? Et toi, t'es armé, mon frérot? Mais bien sûr que tu shootes. Et qui là, il entre. Ils sont où les gosses? Tu es un gangster, Harry. Gryffindor wins the House Cup. J'ai juste une petite pensée pour J.K. Rowling qui doit se balader des fois sur Reddit. Non, pas du tout, elle fait pas du tout ça. Imaginez-le, d'accord? Et qu'elle voit son film et qu'elle se dit « J'ai pas fait ça, moi. J'ai pas fait ça. » Harry Potter avec un très petit budget. Attendez. C'est très drôle quand même. On va pas se cacher, c'est très drôle. Bien, pas mal. Mais c'est génialissime. Oh, t'imagines mon gars, tu vas en Turquie. C'est chose que je vais pas tarder à faire, hein, tu connais. Tu vas en Turquie, tu ressors avec ça. À un moment, c'est compliqué d'Harry Potter, parce qu'à un moment, dans Harry Potter, on voit la tête, elle est dans le feu. On va pas vraiment mettre la tête dans le feu. Comment on pourrait faire? Un chauffage? Bah non, ça ressemble pas au feu. Bah, je sais pas, quand t'as une idée. Ouais, j'ai une petite idée. Voilà. Ok, on va pas tout regarder parce que c'est long. Je pourrais en faire une vidéo entière sur ça. Franchement, bravo. Pause. Pour le moment, c'est dangereux, mais tout va bien. Doucement, Thibaut. Fais attention quand même. Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui a pris à Thibaut? Ça termine. Il s'est pris pour un sorcier pendant une seconde. Il est passé de Thibaut à Malfoy en un instant. Regardez, je suis un enfant normal. Expelliarmus. Et pour finir en beauté cette vidéo, un dernier mème en image que je vais vous doubler. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Et ça a marché à chaque fois. Par exemple, Avada Kedavra. Générique. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo plutôt simple, mais ça m'a beaucoup fait rire. Si c'est aussi le cas pour vous, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche et on se retrouve demain, dimanche, pour un nouveau tournoi sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Ciao.